un nouveau défi, un nouveau succès. Il y a 4 ans, Liane Folly se lance dans l'imitation. Une nouvelle corde à son arc après 20 ans de carrière dans la chanson. Et encore une fois, c'est un carton. Le public aime la chanteuse, il adore la comique. Vous voyez ce que c'est ? Voilà, plaisir d'avoir des femmes. Vous sentez dans leurs yeux l'amour. Vous sentez tout l'amour qu'elles me portent, n'est-ce pas ? Mais c'est vrai, les femmes m'aiment. Ah bon ? Même les hommes. Ah bon ? Même les hommes, c'est ouais, mais les hommes, c'est pas pareil. Il y en a un qui va arriver, et qui va être super déçu. Il s'appelle comment, votre mari ? Roland. Roland ! C'est sympathique, c'est sûr, voilà. Et c'est comme ça que les gens vous embêtent jamais, quand vous êtes accessible. Bonjour Roland, vous allez bien ? Amusez-vous bien. Merci. Ce soir, c'est la 6e représentation de Liane Folly et déjà son 2e spectacle en tant qu'imitatrice. Allez, venez, laissez faire la mesure. Et Liane ne fait pas les choses à moitié. Un titre de pièce déjanté, la folle part en cure, des gesticulations cocasses, des accessoires, Liane joue les comiques à 100%. On est bien loin de la chanteuse jazzy que l'on connaît depuis 20 ans. Ça, c'est le pétard de Ségolène Royal qui a découvert, qui a eu un traitement, qui est parti en Jamaïque et qui fume le pétard depuis, donc voilà. Ah, ici, c'est le costume de Geneviève avec son beau chapeau. Oh là là, mais si j'avais su que vous étiez venue comme ça, j'aurais préparé quelque chose. Voilà. Jouer les comiques, un pari osé. Pourtant, la chanteuse est sûre de son coup. L'imitation, pour elle, c'est comme une seconde nature. J'imitais vraiment très jeune, quand j'entendais les cris des animaux, les dessins animés, j'en faisais les voix, les choses comme ça. Et puis après, quand je suis entrée dans l'orchestre de mon père, à l'âge de 12 ans, je chantais pas comme ma voix aurait chanté normalement, j'essayais de copier toujours. Une artiste multitalent, mais qui n'a pas les caprices des grandes stars. Sa seule exigence avant de monter sur scène est plutôt facile à satisfaire. Le petit secret et le petit gris-gris, c'est d'aller faire pipi, parce qu'après, je peux plus pendant longtemps. Ce soir, Liane Folly va assurer le spectacle pendant 1h30. Mon loco à moi, c'est toute ma vie. Comme je l'aime, mais il n'a rien compris. De Véronique Sanson à Ségolène Royal. Je suis partie en Jamaïque, hein, suivant vos conseils. Ah oui. Et la Jamaïque est devenue mon parti. Ses 20 ans de carrière lui permettent aujourd'hui d'imiter plus de 40 voix différentes. Liane se permet même le grand écart entre l'aigu et le grave, une prouesse que seuls les plus doués réalisent. Et puis elle chantait avec une voix qui s'est donc mangeola. Elle avait des yeux d'opale qui me fascinaient, qui me fascinaient. Y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fait fatale. Un succès. Liane Folly imitatrice, le public en raffole. D'ici le mois de décembre, elle doit se produire dans une centaine de salles. Merci.